Merci d'avoir accepté de participer à ce petit interview dans le cadre des élections municipales et tout ce qui doit se passer. Je voudrais que les gens qui vous regardent vous connaissent un peu mieux. Donc, je voudrais que vous me parliez, par exemple, de votre livre préféré. Ok, ben tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir dans la mairie, dans la salle du conseil municipal, qui était autrefois l'école du village. Alors, le livre que je lisais dernièrement, il y a 3 semaines, ça s'appelle La Tresse. Et La Tresse, c'est l'histoire de 3 femmes dans 3 lieux différents. Une femme qui vit aux Indes et qui vit très, très, très difficilement. Une qui vit dans des sociétés plus évoluées en France. Et la troisième dans un autre pays aussi développé. Et donc, vous voyez la vie de ces femmes dans la vie de ces femmes dans différentes conditions de situation, et c'est assez impressionnant. C'est un livre très émouvant et très intéressant. Votre plat préféré ? Ah, le plat préféré, quand il fait froid, c'est la choucroute. Une bonne choucroute, ça vous tient au corps et on voit la vie d'une autre couleur. Une chanson ? La chanson, j'ai toujours des chansons de ma jeunesse qui me reviennent. Et ma jeunesse, ben, c'était Françoise Hardy, c'était Johnny Hallyday, c'était Gabriel, c'était... Toute cette période dans laquelle j'étais relativement jeune encore. J'en garde encore des très bons souvenirs. Peut-on savoir ce qu'il y a sur le fond d'écran de votre téléphone portable ? Alors, il n'y a pas de photo de personne, il y a juste une photo de nature, de forêt, enfin voilà. C'est des tendances, c'est notre environnement, c'est ma vie, enfin c'est la campagne, c'est Daumier avec la forêt de Retz derrière. Un sport ? Le sport, je ne suis pas très sportif et bon, j'ai de la marche comme beaucoup de gens, je marche. Et j'ai fait du ski, je fais encore du ski et j'aime beaucoup ce sport parce qu'en fait on profite de l'environnement, des cadres, c'est magnifique, quand la montagne, c'est quelque chose de très joli et j'avoue que j'aime bien. Quelle est la qualité que vous recherchez chez les autres ? Moi j'aime bien les gens qui sont droits et honnêtes. J'avoue que j'aime pas les gens qui sont trop ficelles, j'aime bien que la relation soit claire et nette. J'aime pas ceux qui ne sait jamais très bien ce qu'ils pensent et jamais très bien où on met les pieds. Et je pense que c'est très important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui de pouvoir se reposer sur des gens qui sont sincères. Comment allez-vous, monsieur le maire ? Au niveau santé, je vais bien, je suis même en forme. En tant que maire, vous voulez savoir aussi comment je vais ? Ben, le maire de Daumier, c'est assez satisfait de son village. On a un beau village qui est bien situé, à égale distance de Villers-Cotterêts, Soissons, Vic-sur-Aisne. Alors, on est actuellement en train de faire l'assainissement pour ceux qui l'ont demandé, pour les maisons qui l'ont demandé. Nous avons la fibre depuis déjà 2 ans. Je pense qu'on n'a pas de retard important au niveau de notre mode de vie à Daumier. Le bilan que vous tirez de vos 34 années à la tête de la municipalité de Daumier. C'est vrai, il y a 34 ans que j'ai été élu maire et j'ai été élu au conseil municipal en 83 avec Jean-Luc Cachemarec d'ailleurs. Depuis tant d'années, on travaille ensemble pour le bien de notre village. Et c'est vrai qu'en 34 ans, on a fait quand même beaucoup de choses sur Daumier. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois un peu à oublier ce qu'on a fait, ce qui a été fait. On a fait de très gros efforts d'abord sur tout ce qui est route, au niveau de la salle des fêtes qu'on a aménagée plusieurs fois, qu'on a refait. On a, alors après, des périodes douloureuses telles que la fermeture de notre école, ça n'a pas été facile. Ça, à mon avis, ça aurait pu être préparé différemment. Ça a été fait comme cela, un peu. Enfin, je n'ai pas tellement apprécié, mais on n'avait pas le choix, on était vraiment acculés, donc il fallait bien fermer l'école et partir à Cœuvre, ce qui n'est pas un mal pour les enfants de notre village. Mais tout ça, c'est des changements très importants pour nos populations et pour le mental des villageois, des habitants de Daumier. Il y a une fusion de plusieurs communautés de communes pour arriver à la communauté de communes de Retz-en-Valois. Qu'est-ce que ça a modifié ou changé pour la commune de Daumier ? Alors, les difficultés auxquelles on se heurte le plus, peut-être un peu la réactivité, c'est vrai, mais il y a beaucoup de nouvelles compétences, et ces nouvelles compétences, eh bien, il faut bien les mettre en route.
Et chacun sait que tout ce qui est administratif est relativement lent. Il faut que les gens assimilent, il faut que les gens comprennent, il ne faut pas heurter non plus trop les élus. Donc c'est assez difficile à faire. Alors pour le village, est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Pour le moment, on peut pas dire qu'il y ait énormément de choses de changer. Cependant, au niveau route, il y a des changements. Aujourd'hui, il y a des routes intercommunales qui sont entretenues, l'herbe est tondue et tout, les bordures sont propres. Et les routes à l'intérieur du village, c'est la commune qui s'offre les travaux. Donc il y a quand même une différence, alors qu'autrefois, on ne payait rien du tout. Donc là, c'est un gros changement. Au niveau ordures ménagères, c'est toujours pareil, mais nous avons davantage. Enfin, les horaires sont changés au niveau des déchetteries, le ramassage, enfin, tout ça, ça n'a pas beaucoup changé. On a également maintenant, au niveau de la communauté de communes, on s'occupe également des enfants, des jeunes, ce qui est très bien pour nos villages. Les nouvelles compétences qui font que ça freine un petit peu l'évolution de notre. Maintenant, on va se lancer donc sur le PLUI, chose excessivement lourde. Donc pour demi-heure, on a un PLUI, alors qu'on avait déjà un PLU, donc on tient en PLUI. Enfin, ça fait quand même des changements, tout ça. Hein. Alors, est-ce que la population, elle le ressent? Je ne sais même pas. Je crois pas. Hein. Quels sont les projets importants à envisager pour la commune de Daumier? Alors, la commune de Daumier, on a décidé d'enfouir les réseaux électriques. Donc, on a fait cette demande il y a déjà 2 ans. Et théoriquement, ça devrait commencer en fin d'année. Donc, on commencerait par la rue principale, enfin, la rue de la Fontaine des Hutins. Donc, presque à partir du monument jusqu'à la place. Et dans un deuxième temps, un peu plus tard, on fera de la plage jusqu'à la sortie de Daumier vers Saint-Pierre-Aigle. C'est pour l'embellissement de notre territoire, je pense que c'est important à faire. L'autre remarque, c'est qu'on a des subventions encore pour tout cela. Et en tant que maire, je crois qu'il faut prendre les subventions quand elles passent. Et après, il est trop tard et on regarde passer le train. Donc voilà, on s'est décidé à le faire. Monsieur le maire, pensez-vous que soit venu le temps de revoir le statut de l'élu municipal qui... Oui, la fonction de maire et de conseiller municipal a terriblement évolué sur les 34 ans, là. Si vous voulez, autrefois, il y avait un respect du maire ou de la fonction, comme il y avait un respect pour l'instituteur, comme il y avait un respect pour monsieur le curé. Aujourd'hui, malheureusement, ce respect a un peu disparu. Pour toutes ces catégories que je viens de nommer, et celle du maire, aujourd'hui, c'est plus difficile de se faire obéir. Je me souviens très bien, quand j'étais jeune maire, lorsque je demandais à quelqu'un de faire quelque chose, eh bien, la personne le faisait avec plaisir et sans râler, et aujourd'hui, eh bien, j'ai beaucoup plus de mal à le faire exécuter par des gens plus jeunes que moi. Donc la relation avec la population n'est plus la même, les gens sont terriblement demandeurs, ils veulent tout de suite, alors que nous, on a les budgets, c'est une fois par an, donc une fois si ce n'est pas budgété, c'est très difficile de trouver de l'argent autrement. On n'est pas non plus le bon Dieu, je veux dire, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir qu'on a des limites aussi. Ce n'est pas pour ça que je ne tâcherai pas de faire ce qu'il faut, mais il faut savoir qu'on ne peut pas le faire non plus tout de suite, quoi, sur le coup. Alors ensuite, après, est-ce que le maire ne doit pas être protégé aussi, protégé donc contre la... vis-à-vis de la population, protégé dans les décisions qu'il prend, parce qu'on prend beaucoup de décisions, et si jamais ça ne marche pas bien, est-ce qu'on est pris sur nos deniers? Enfin, vous voyez, il peut y avoir des problèmes assez importants à ce niveau-là. Alors après, il y a aussi la représentation du maire dans les structures au-dessus, donc il y a, là, au sein de la communauté de communes, il y a le maire qui est au conseil communautaire, mais ensuite, il faut qu'on soit aussi très souvent à la sous-préfecture, il faut qu'on aille à la préfecture. Enfin, je veux dire, on est tout le temps sollicité, et l'un des difficultés auxquelles on se heurte un peu, c'est qu'il faut avoir beaucoup de temps libre quand même. Enfin, avoir beaucoup de temps à donner, à consacrer à la commune, car s'il n'y en a pas beaucoup de temps, eh bien, il y a tas de choses qu'on passe à côté. Monsieur le maire, êtes-vous prêt à repartir pour un mandat? Pour être franc, j'ai bien envie de continuer encore. Je pense que je peux encore apporter à la commune de Daumier. Je la connais par cœur. Je connais la population. Enfin, j'ai quand même des atouts. Et puis, j'espère qu'on aura des visions, aller plus loin, peut-être. Mais je peux encore faire un tour. Vous avez la parole pour dire ce que vous avez envie de dire.
Oui, on peut parler aussi des problèmes de vitesse dans les villages. On a mis des stops pour faire ralentir les gens. On avait voulu mettre des gros ralentisseurs, mais ça coûte des fortunes, et puis ça fait du bruit. Enfin, tout ça, il y a aussi un civisme qui est un peu disparu. On peut rejoindre un peu la question précédente. Et c'est vrai que le civisme de la population est quand même un peu endormi. Et on peut voir l'effort aussi de tous les déchets que les gens jettent. Il suffirait de le mettre dans sa poche ou de le garder dans sa voiture et le mettre après la poubelle. C'est plus compliqué aussi d'avoir des villages aussi propres que ça n'a été. Donc, on est en période de transition, c'est plus ou moins accepté, mais enfin, au moins, les gens peuvent nettoyer devant chez eux, c'est pas interdit. Voilà, voilà. Merci, monsieur le maire, et comme on dit sur cette chaîne, ça, c'est dit. Eh bien, merci, monsieur.